Hello James, Bonjour thank James, you very much for merci being beaucoup with d'être avec nous us aujourd'hui. today. My Avec pleasure. plaisir. I wanted to ask you first a question Je voulais about d'abord the vous poser une writing question à of the propos de Celestine l'écriture de Prophecy, la prophétie des Andes, because I read that for the narration car j'ai lu que of vous this étiez book, you were inspiré inspired not only pour by l'écriture de Jung's ce livre, non seulement synchronicities, des which is well synchronicités known de and which Jung, is the ce qui est beginning of the book connu et really, qui est en fait le but début du also livre, you were inspired by mais aussi a d'une theory théorie which is not moins very connue, known, qui est which is l'analyse transactional transactionnelle analysis d'Eric by Berne. someone named Eric Berne. And I wanted to know how Je this voulais work savoir comment ce travail inspired avait inspiré l'écriture the du writing of livre. the book. Well, yes, in the sense that Oui, the en effet, aspects of the dans le Celestine sens où de Prophecy nombreux and its aspects de la subsequent prophétie des books Andes et des livres suivants were based on étaient what basés I sur ce que call j'appelle and it's called et qu'on appelle dans in les cercles psychological circles in psychologiques the aux United États-Unis, States, the le human mouvement du potential potentiel humain, movement, which goes back to qui the remonte moment au that moment où Carl Carl Jung Jung s'est separated séparé from de Sigmund Sigmund Freud Freud in terms of en termes de relevant faits psychological significatifs et de facts vérité and psychologique. truths. Because Freud, of course, had a depth psychology based on Car Freud, bien sûr, a proposé sexual une repression, psychologie des right? profondeurs basée sur le So, refoulement sexuel. Jung departed from him and began to look Jung at s'est écarté de the lui et il whole a person commencé à regarder la in personne dans terms of son our ensemble, understanding of our own en termes psychologies, de compréhension de notre psychologie et y including our compris de spiritual notre connection, connexion which spirituelle, is the spiritual la part part spirituelle de of l'être the humain. human being. And so he started there, and that most people count that as Il est donc parti de là, et pour beaucoup, continuation of science ça représente une beyond the continuité de la material science world to au-delà du monde our matériel conscious en life direction de notre and vie all that goes consciente. with that. And since then, that's what that was about 100 years ago now. There was this great C'était il y a une conversation centaine d'années, il y a eu ces that grands débats it was qui étaient basés sur based beaucoup de in lots of science, science, but mais also aussi the sur des testimony of témoignages experience that comes d'expériences from venant de religious leaders religieux, leadership and de mystiques. mystical experience and then also Et alors les sciences the psychological psychologiques science ont avancé à as partir de moved là. forward. So, Donc you on know, a it's là a 100 hundred ans years of d'échange. conversation. So, you know, when I wrote the Celestine Prophecy series, it was really Quand j'ai to écrit la série de la talk prophétie about the des Andes, consensus c'était pour parler du that consensus is more than just qui est knowledge, plus que de la but simple also connaissance, our mais qui opening traduit to notre full ouverture à consciousness une pleine conscience. and you know the way the experiences that Et la façon dont les any human being expériences can que tout être humain peut search for rechercher et and find découvrir that confirment, is confirms and démontrent proves on et a quasi déterminent en scientific termes quasi sense in terms scientifiques, of the en termes de consensus, consensus about that that que la spirituality and spiritualité et la consciousness is real. conscience sont We don't réelles, live in a material universe. We live in que nous ne vivons pas dans un a univers spiritual matériel, mais que nous universe vivons dans that un univers includes spirituel all that we qui inclut ce que formally nous avons call the d'abord appelé le material monde world. matériel. So those insights that I Et donc sought ces to notions que j'ai describe cherché à décrire are about the many facets of and concernent key les nombreux aspects et les 12 clés de experiences over 12 four expériences novels. sur 12 key quatre romans. experiences 12 that expériences human clés beings can open up auxquelles to les humains peuvent s'ouvrir in dans ce this monde world and that all et once qui, une integrated fois intégrés, make life rendent la go vie bien much plus more créative. creatively. Of course, we're moved forward by these guiding kind Bien of sûr, nous sommes helping poussés en avant par ces synchronicities that come synchronicités qui nous from guident et our nous highest aident, consciousness, which is a qui viennent de unity notre with conscience supérieure, this qui est unie à cette mysterious source source that seems to mystérieuse be qui semble être en nous. within us. So that's what it was about. C'est de cela que ça parlait. And it you know now is Maintenant, in my dans ma view, what vision des I'm doing choses, now is ce que writing je about fais,
C'est écrire sur la façon dont nous atteignons et intégrons ces expériences. Et pour la première fois dans l'histoire, nous sommes vraiment capables d'aller vers ce que j'appelle, de façon humoristique, le système d'exploitation de la planète Terre. Il est conçu pour une façon miraculeuse de faire des découvertes créatives et pour l'unification. Les groupes humains commencent maintenant à faire cela. Dans le livre, il y a des clés en particulier qui concernent la façon dont nous sommes constamment en train de voler l'énergie les uns aux autres. Et cela vient de l'analyse transactionnelle, n'est-ce pas? Oui, vous savez, Eric Berne a ouvert la voie, mais Ronald David Lang était aussi impliqué là-dedans et beaucoup d'autres. Il y avait une psychologie humaniste très riche de laquelle a émergé une vraie prise de conscience sur la façon dont nous nous contrôlons les uns les autres. Pourquoi il existe cette tendance à la domination et ce combat pour la suprématie? Pourquoi ça se passe comme ça chez les humains? Donc c'était vraiment une nouvelle science centrée sur la prise de conscience de soi qui continue d'exister à travers les services d'aide, la psychiatrie, la psychologie, le conseil, les pratiques avec l'énéagramme. Donc, tout ceci est encore très vivant. Et ce que j'ai voulu partager avec la prophétie des Andes sont les quatre types basiques qui existent dans la façon dont nous volons l'énergie aux autres. Pour l'un, ça se traduit par une inflation de l'ego, et l'autre se sent vidé, n'est-ce pas? Donc c'est une partie de la prophétie des Andes que les gens ont beaucoup aimé parce que c'est si vrai. C'était une façon d'amener la science de l'analyse transactionnelle à l'attention de tous. Et donc, ce mouvement pour le potentiel humain, c'est toujours vivant. Oui, c'est toujours vivant en pratique, à travers, en effet, les services d'aide. C'est là où on gère son leadership et les problèmes d'inflation de l'ego et comment les dépasser. Car il s'agit en effet d'atteindre la dimension pleinement spirituelle et expérientielle de cette connexion à la conscience. On doit dépasser ce besoin de sécurité fondé sur le pouvoir qu'on a sur les autres. Et je parle beaucoup du côté lumineux et du côté sombre. Et bien sûr, le côté sombre est cette orientation inconsciente vers le pouvoir sur les autres, le pouvoir que ça implique avec l'argent, comme moyen de guérir notre désir existentiel d'avoir toujours plus. Mais c'est le monde non éclairé avec lequel on doit faire. Et de plus en plus, la différence entre ce monde et le monde de la conscience, des synchronicités, de la connexion spirituelle qui guérit nos émotions, est très marqué. Donc je parle de lignes de temps dans le sens de savoir dans quel monde on veut vivre. Ce que vous appelez service d'aide, c'est aussi tout le coaching, le développement personnel, transpersonnel. Oui, tout ça. Toute forme organisée, conçue pour aider les autres. La psychiatrie est la plus formelle. Vous savez, il y a des psychologues partout qui reçoivent des gens avec des problèmes qu'ils essaient de résoudre.
Et oui, le coaching fait partie de ça, n'importe quel type de coach. And again, coaching, yeah, coaching is part of that. Coaching, any kind of coach. And of course, organized group. Et bien sûr, les activités de groupe organisées, comme dans les structures autour de l'énéagramme. Enneagram. C'est énorme. You know, this is huge. This is huge. You know, and also the big, you know, the gurus. Tous ces gourous qui parlent à des foules immenses, pas actuellement à cause des mesures sanitaires. Et qui explique comment réaliser sa meilleure vie. Tout ce monde-là fait vivre le mouvement pour le potentiel humain. La science de la psychologie a été laissée de côté il y a longtemps, comme une grande part de la psychiatrie, parce qu'elles appartiennent au monde matériel. Ce monde dans lequel vous intégrez une organisation. Et ça vous rend supérieur à tous les autres. Ça n'aide pas. But don't you ça think pas vraiment. That's not real helping, yes. Huh? Don't you think that there is maybe sometimes abuses? Ne pensez-vous pas qu'il y a des abus dans ce domaine, dans cette offre pléthorique? Car c'est devenu un marché énorme. Avec des gens qui se disent chamans après trois jours d'atelier, ou bien guides, n'y a-t-il pas un peu trop de tout cela? Eh bien, on peut en effet pointer des exemples de personnes qui prétendent aider les autres à partir d'une position dominée par l'ego et le besoin de pouvoir et d'argent, mais il y a bien sûr des personnes authentiques, des personnes qui sont dans le conseil, des thérapeutes, qui font un travail de fond qui est important. Donc il faut être prudent quand on critique l'un d'entre eux, car la critique peut toucher des personnes qui sont authentiques. Il vaut mieux laisser le client être prudent et avoir confiance dans le fait que les personnes qui font de leur mieux dans ce domaine vont sortir du lot et faire venir à elles ceux qui en ont vraiment besoin. Donc c'est un monde vaste et c'est difficile de désigner les mauvaises personnes sans faire du tort et discréditer tous ceux qui font du bien. Tout ceci demande de la prudence. Les thérapeutes vivent sur leur réputation. Si ce qu'ils font ne fonctionne pas, ils ne vont pas rester longtemps dans le business. Il faut faire confiance à son intuition et son ressenti, je suppose, pour établir une bonne relation. Oui. Okay, so to go on to my next question, I wanted to have your opinion about a book actually I co-wrote with a friend. Pour ma question suivante, je voulais avoir votre opinion sur un livre que j'ai co-écrit avec un ami et qui porte sur les synchronicités comprises comme des signes venant de notre propre futur. C'est l'idée que notre futur existe sous forme de potentialité. Et ce futur sur notre ligne de temps est capable de nous renvoyer à rebours du temps des signes pour nous orienter, pour nous guider sur notre cheminement spirituel. Que pensez-vous de cette proposition? Bien, dans le sens où les synchronicités nous guident vers notre meilleur futur, je pense que vous avez raison. C'est un appel vers notre meilleur futur. Mais c'est aussi problématique dans le sens que pour nous installer pleinement dans ce flot de synchronicité, nous devons être dans le présent constamment, n'est-ce pas? Have people understand that this
Je pense que c'est une bonne idée de faire comprendre aux gens que nous sommes dans ce maintenant qui dure, qui est étalé, une idée que j'ai transmise aussi dans la prophétie des Andes. Car nous devons être dans l'instant présent, mais ce présent change constamment et nous disons de façon abstraite que nous allons vers le futur. Et c'est valide. Donc, au sens où on est vraiment orienté, guidé d'une façon spirituelle et synchronistique, ça nous tire dans le présent en direction de notre futur destiné, on peut dire, notre meilleur futur. Ça a du sens, tant qu'on réalise qu'en fait le futur n'existe pas vraiment, car nous sommes toujours dans le présent. That's right. You can say that. You can say that present lasts a long time. Therefore, on peut dire que ce présent dure longtemps, et donc nous allons changer avec le temps et découvrir la mission supérieure de notre moi, notre connexion, tout cela, dans ce meilleur futur que nous cherchons à atteindre. Quand vous parlez vous-même d'une ligne de temps, est-ce que vous imaginez qu'elle est en quelque sorte déployée dans le futur et le passé? Vous venez de dire que le futur n'existe pas puisque nous vivons constamment dans le présent, mais voyez-vous le temps comme quelque chose de déployé? You know, the way I look at it is that Bien, la façon dont je le comprends est que le futur est créé dans le présent, right. D'accord? So, as long as we're centered in this present, then, et tant que nous sommes centrés dans le présent, nous avons des buts, des visions du futur. C'est ce que je veux dire quand je parle de ligne de temps. Really holding. Quelle est la vision que vous entretenez vraiment? Si vous êtes un manipulateur, que vous recherchez l'argent et le pouvoir à travers la manipulation, quel est le futur que vous créez à la fois pour vous-même et pour les autres? Car de mon point de vue, nous avons un pouvoir visionnaire qui est collectif. Et donc, des petits groupes de personnes peuvent créer ce futur pour eux-mêmes et à un certain degré, ça interagit avec d'autres personnes. Et donc, est-ce que la grande masse de personnes qui imaginent le futur entretiennent un futur issu de la meilleure conscience spirituelle élevée ou bien entretiennent-ils ce dont nous avons parlé avant? Ce futur matérialiste, mécaniste, et participe à la réalisation de ce futur. Nous sommes à la fois collectifs et individuels. Tout ça est très intéressant parce que les gens réalisent maintenant qu'ils créent effectivement le futur dans le présent. Et c'est une grande révélation pour la plupart, car ils ne pensent jamais au-delà de leur projet dans le maintenant. Ils n'ont pas cette vision supérieure et cette compréhension que nous avons ce grand pouvoir. Mais c'est ainsi qu'est la conscience. Nous devenons conscients de ce pouvoir que nous avons de créer le futur, et c'est une étape très importante pour l'humanité, je pense. Pensez-vous que ce soit une question de masse critique? Même dans la Bible, nous trouvons cette notion d'un groupe de personnes capables de changer l'orientation du monde par ses intentions, le pouvoir de ses prières. Vous y croyez également? Je pense que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a différents groupes qui cherchent à créer différentes choses ici. Et je pense
qu'une des hypothèses, ou disons une des révélations de ce mouvement du potentiel humain, était d'apporter des preuves que l'univers est biaisé en direction du bien. And so that there, you know, the good and evil operating in the world. De sorte que le bien et le mal qu'on voit agir dans le monde n'ont pas le même pouvoir, le même niveau de pouvoir. D'où cette idée de masse critique. Number of people can hold a vision of consciousness because we're wired. Un petit groupe de personnes peut entretenir une vision de conscience, car nous sommes câblés pour cela. Jung lui-même a parlé de voies archétypales dans le cerveau qui conduisaient jusqu'à l'illumination. La pleine conscience est déjà prête, nous sommes branchés pour ça. C'est juste que l'attention consciente humaine doit ouvrir ses voies. À mesure que nous devenons plus éveillés, et des gens peuvent même atteindre brusquement cet éveil s'ils sont entourés de personnes qui sont déjà là. Car l'archétype se manifeste brusquement parce qu'ils reconnaissent que les personnes autour d'eux entretiennent cette version pour eux. Et nous sommes clairvoyants les uns avec les autres. En d'autres termes, nos esprits se relient, comme vous et moi en ce moment, alors que nous parlons. Nous parlons depuis une perspective qui nous est commune, que nous le voulions ou non. Car quand on a une conversation avec un autre être humain, les esprits se relient. C'est pourquoi aussi des cultures sont aussi différentes les unes des autres. L'État de Californie est très différent de l'État de Floride aux États-Unis. À un certain degré, ça relève d'une pensée de groupe, de valeurs de groupe, de perspectives de groupe, etc. And it's make what makes cultures in Europe is, you know, I mean, we could say that. C'est pareil en Europe. Europe is unified. On peut dire que l'Europe est très unifiée. But still, there are these. Mais il y a toujours ces espèces de différences culturelles qui font qu'on se sent différent, qu'on appartient à des pays différents. So it's donc c'est intéressant. Interesting, and Dr. Larry Dossey probably handled this issue. Et le docteur Larry Dossey a traité cette question mieux que quiconque dans ses livres. Really, and you know, it's a great revelation in itself. C'est une grande révélation en soi de comprendre que quand on se connecte à un autre être humain, on relie nos esprits. Ce qui en ressort est une sorte de mélange d'idées, d'aspirations et de tout le reste. C'est pourquoi les synchronicités se produisent autant entre les êtres humains. Cette question de l'identité est cruciale, n'est-ce pas? Parce que j'ai tendance à penser que nous devrions d'abord nous considérer comme des humains avant d'être un Américain, un Français ou autre chose. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait être capable des deux? Se voir d'abord comme un être humain, habitant de la Terre, ce qui unit tout le monde. Et dans un second temps, j'appartiens à une nation, un État, etc. On devrait arrêter d'opposer ces choses constamment et essayer de les penser ensemble. Well, obviously, to me, that's true. Eh bien, manifestement, pour moi, c'est vrai. Mais être humain, c'est être conscient et spirituel. Au sens où, en progressant vers une conscience élargie, on se relie à une plus grande conscience à l'intérieur de nous. And as that happens, then we become more creative. À mesure que cela se produit, nous devenons plus créatifs, plus inspirés, on se tourne vers ce niveau d'énergie et d'inspiration, on se demande ce qu'on est venu créer, etc. J'ai tendance à croire que se penser en tant qu'être spirituel
par notre conscience est mieux que se sentir humain, même si c'est très bien. Mais je pense qu'en tant qu'humain, la vérité fondamentale est que nous sommes profondément conscients et spirituels. Et nous avons une connexion profonde les uns avec les autres et avec le monde, avec l'univers. C'est comme ça que je dirais, mais c'est la même unité que celle dont vous parlez. Nous, les humains, sommes tous ensemble dans cette grande aventure de la vie. Oui, et il peut même y avoir des humains au-delà de la Terre, des êtres vivants, y compris humains. Oui, ça semble être le cas. Ok. Thank you, James. So I guess you are giving us clues. Merci, James. Alors, je pense que vous nous donnez des clés dans votre prochain livre sur la façon de réaliser, d'atteindre cela. Ce livre Timeline est-il plus un guide pratique qu'un roman? Non, c'est un roman. Mais vous savez, tous ces livres sont basés sur mes expériences et les expériences d'autres personnes dont nous devenons tous conscients. They're novels in the sense that there are, there are versions of. Ce sont des romans dans le sens où il s'agit de versions de ce dont j'ai fait l'expérience sur une longue période de temps. Mais j'essaie de me relier vraiment à ce que les gens traversent dans leur expérience de conscience pour qu'ils y retrouvent ce niveau de conscience dont je parle. Donc nous assistons à une grande explosion de la conscience. My view is that we're so explosive in consciousness that the dark side, those in equal. Et ma compréhension est que cela est si explosif que la face sombre, ceux qui ont besoin de dominer pour se sentir bien, qui ont besoin de contrôler les autres, constatent qu'ils perdent ce contrôle parce que la conscience croît si vite. Quand on voit les algorithmes des réseaux sociaux, il ne s'oppose pas seulement à certaines opinions politiques, mais aussi à une certaine spiritualité. Donc ça nous dit ce qu'ils sont vraiment. Ce que ça veut dire, en fait, toutes ces prises de contrôle qui se produisent sous des formes variées, les gens ont des opinions différentes à ce propos, mais nous sommes dominés, nous sommes empêchés. Et rien de tout ça n'a jamais existé avant que cette soi-disant pandémie n'arrive. Détruire la vie économique de tant de gens n'a jamais été envisagé avant cela. Ils pensent qu'il y a suffisamment de gens naïfs, qu'il y a assez de peur pour que ça puisse se passer comme ça. Nous devons être conscients de cette face sombre. Le contraire de la conscience est cette inflation de l'ego, cette volonté de contrôler les autres sans quoi le monde ne va pas tourner comme je le souhaite. Ce sont là deux chemins vraiment très différents vers le futur. Vous en parlez dans votre livre? Oui, ça se pourrait bien. Et quand le livre va-t-il paraître? Eh bien, c'est difficile à dire. C'est terminé quand c'est terminé, selon ma façon de travailler. On espère qu'il sortira autour du mois de novembre. On verra. Je pense que les gens réalisent que nous sommes actuellement à un point de basculement. Et je pense que le livre parlera à beaucoup de gens de ce point de vue. Très bien, nous sommes impatients et aussi d'avoir la version française. Ça viendra vite.
Merci beaucoup, James. Thanks a lot, nous allons James, thank you very much. Passer and then we, à la deuxième partie avec notre ami Jean-Pierre. Our friend Jean-Pierre. Thank you, Jocelyn. Thank you, James. Je travaille avec quelques amis sur un projet depuis plusieurs années pour reproduire l'illumination que les astronautes ont eue dans l'espace quand ils ont vu la Terre pour la première fois. C'est ce qu'on appelle l'overview effect, que vous connaissez peut-être. Quand ces astronautes ont vu la Terre, ils ont été totalement transformés par ce qu'ils ont vu, et ça a déclenché chez eux une ouverture du cœur, et ils sont tombés amoureux de la Terre. Et avec quelques amis, nous avons créé une plateforme où les gens pouvaient voir la Terre depuis des millions de kilomètres de distance et reproduire cet effet. Nous l'avons présenté dans de nombreuses conférences et on voit que cette expérience profonde peut aider les gens à découvrir qu'ils sont reliés à quelque chose d'autre. Et donc la question que j'ai pour vous est que pour déclencher un changement individuel, pensez-vous que nous ayons besoin d'une expérience profonde ou bien seulement de petits changements? Quel peut être le rôle d'une expérience profonde pour ouvrir nos yeux et ouvrir notre cœur? Eh bien, je pense qu'il y a de nombreux chemins pour cette expérience. Et j'aime le travail du docteur Jung qui parle de la façon dont le corps humain est déjà prêt pour cette expérience de surgissement dans la conscience. Donc c'est archétypal, et beaucoup de gens viennent à cette énergie, cette explosion dans la conscience, de nombreuses façons. Mais j'apprécie votre projet parce que ceci a été bien documenté. Cet effet lié à la prise de conscience que nous sommes tous sur Terre, en train de nous déplacer dans l'espace, qu'il y a autant d'espace sous nos pieds, de l'autre côté de la Terre, qu'il y en a au-dessus de nous, c'est une transformation corporelle de réaliser ça. J'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Conscience cosmique, vous connaissez peut-être, qui a été publié dans les années 70 aux États-Unis, je pense. C'est exactement l'effet que ce livre exprime. Je me souviens d'avoir pratiqué cet effet simplement en visualisant les étoiles comme étant pleinement disposées dans les trois dimensions de l'espace. Et aussi tout le cosmos étalé sous nos pieds. J'ai participé à des groupes où on essayait de s'identifier. Et maintenant, on peut vraiment le faire avec des applications pour smartphone. On peut pointer sous ses pieds et voir que Mars est là, dans son orbite, à un moment donné de la rotation de la Terre. Donc, ceci a été exprimé en tant que conscience cosmique, et je suis très intéressé. J'apprécie ces façons d'aider les gens à s'ouvrir spatialement comme un moyen d'entrer dans cette conscience globale. Certains astronautes disent qu'en se voyant nous-mêmes depuis l'extérieur, nous réalisons où nous vivons et on s'ouvre à cette dimension spatiale. Ils ont eu aussi une expérience mystique dans l'espace et la raison pour ça a été étudiée. C'est parce que leur ego
confronté à cette immensité de l'espace, se trouve dilué. Et une fois que l'ego disparaît, ça crée une possibilité de se reconnecter. Est-ce que vous croyez à cette importance de la dissolution de l'ego, de déclencher cette capacité du cœur et de la conscience de fusionner? Well, I would say it's the reduction of the ego into. Je dirais que c'est la réduction de l'ego à sa véritable fonction dans la conscience qui se produit. That happens. Right now, psychologically. Actuellement, au plan psychologique, l'ego est dominant, essentiellement comme un mécanisme de défense. C'est-à-dire que nous prétendons que tout va bien en nous défendant et en défendant notre ego. C'est ce que j'ai appelé des fictions de contrôle. En fait, notre ego est simplement le sens de qui nous sommes dans le monde et de ce que nous voulons faire. L'ego est le maître de l'intention. Quand il est réduit à sa juste place. Mais ce qui peut se passer à travers la méditation principalement est de réduire consciemment ses défenses de l'ego. Le fait de créer une sécurité factice. Okay. On parlait des forces sombres et de ce qui les motive. Leurs cœurs ne sont pas ouverts. Ils sont virtuellement des psychopathes. Dans la mesure où ils sont tellement dans l'insécurité qu'ils doivent contrôler de plus en plus de personnes pour pouvoir se sentir bien dans le monde. To be able to feel okay in the world. Yep. Now, what is important? Ce qui est important, c'est de poser l'intention d'un surgissement du cœur. Of the heart. Parce que c'est la peur, la colère et la blessure que nous essayons tous de recouvrir. That all of us try to cover up. Right. Donc, je propose, plutôt que simplement calmer l'esprit par la méditation, de calmer aussi le cœur, c'est-à-dire nos émotions. Most people are La plupart des gens tiennent à distance et repoussent une des trois émotions. L'une est le mal que nous pensons que les autres nous ont fait et dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. L'insécurité, ou appelons ça l'anxiété, ce sont toutes les émotions normales dont je parle. L'expérience normale de l'anxiété, le fait de se sentir vulnérable dans le monde, de ne pas avoir assez d'argent, de pouvoir, qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un a stoppé l'économie dans ma ville, et ceci amène l'anxiété. So, and then the third problem emotion, normal. Et alors, le troisième problème émotionnel, qui est normal, est d'être en colère à cause de l'anxiété. Si vous voyez ce que je veux dire. Understand what I'm saying. So some people. Certains se laissent aller à cette colère. Ils sont en colère contre le monde, contre Dieu, contre un groupe ou un autre. Donc je pense que ce sont des émotions qu'il faut pouvoir laisser partir à travers la méditation
pour poser l'intention de s'ouvrir à notre vraie émotion, la plus stable sur laquelle nous puissions nous appuyer. Et c'est l'amour agapé, l'amour sans objet. C'est un état d'amour. Et c'est le secret à atteindre en poursuivant cette croissance de la conscience, en continuant à avancer et à s'élever sur cette planète. Ok. Agree with that and, je suis tout à fait d'accord avec ça, ces émotions. Je voulais partager avec vous et avoir votre opinion sur l'étape suivante de notre projet qui consiste à créer une élévation globale de la vibration de l'humanité en utilisant ce protocole de l'Overview Effect. Et nous avons travaillé avec des artistes pour concevoir une musique qui crée de l'amour pour que tout le monde soit dans cet état, et nous allons synchroniser les gens pour essayer de synchroniser cette énergie au même niveau à travers l'amour. Et nous mettons les gens en cercle de façon numérique ou physiquement si c'est possible, et en rassemblant les gens dans des cercles, nous créons des espaces de cohérence et nous espérons que ces cercles s'agrandissent de plus en plus au fil du temps pour créer de grands cercles d'humains, chacun étant individuellement dans cet état d'amour et relié aux autres pour créer une cohérence. Donc nous avons parlé de ça à l'échelle individuelle, mais quel pourrait être selon vous le processus pour créer ce mouvement global d'élévation de conscience, de synchronisation? Je pense que dans votre livre, Le secret de Shambhala, cette synchronisation est très importante pour atteindre cet état collectif. Pouvez-vous développer un peu votre vision à ce sujet? I would support all of that. Eh bien, je soutiens tout ceci. Et en même temps, il faut être conscient de la façon dont ces projets peuvent être infiltrés et même retournés en leur contraire par le pouvoir de l'argent. Donc, je dirais d'abord que l'argent utilisé pour cela doit être complètement indépendant pour développer la technologie, créer des sites internet et tout ce dont vous avez besoin pour créer cette expérience. Dans la mesure où c'est fait comme ça, vous pouvez me compter parmi vos soutiens. Oui, notre façon de faire est de passer par le financement participatif et pas par les gens qui contrôlent la technologie nécessaire. Ce projet est expérimental, mais je voulais avoir votre opinion sur le rôle du cœur et de l'amour pour créer une nouvelle humanité ou élever l'humanité. Le rôle du cœur et le rôle de l'amour pour se relier. Oui, sans mettre l'amour à la base d'une telle expérience, on resterait à un niveau que j'appellerais tout dans la tête. Now, that's not many things, obviously, are first. Maintenant, beaucoup de choses sont évidemment conçues d'abord dans nos têtes. And that's part of a positive. Et cela fait partie d'un processus positif. When we're talking about uniting humanity et quand on parle d'unir l'humanité et de construire la conscience, in my view, love, l'amour est bien sûr l'élément fondamental. Now, il y a ce livre qui s'appelle One Mind. Mind. Yeah.
I have it. Oui, je l'ai. Okay. Larry Doce. Oui, yeah, par Larry Doce. Yeah. He's a friend. Qui est un ami. So, I consider his book, that book, as being completely instrumental. Je pense que ce livre est complètement indispensable. Where consciousness pour comprendre is in the world. Où est la conscience dans le monde. At the ego level, we're arguing with au niveau de l'ego, nous disputons avec tout le monde, n'est-ce pas? So, it's at the heart level that we can agree. Donc ce n'est qu'au niveau du cœur que nous pouvons nous accorder. And we can, that et que can nous pouvons unify. Être unis. And we'll create a again a ethic on what how we should go forward. Alors nous créons une éthique sur la façon dont nous devons avancer au plan Without technologique. That, it's all ego. Sans cela, il n'y a que l'ego. So again. Some project, ego projects are donc, helpful. De nouveau, certains projets de l'ego sont utiles parce qu'ils décrivent quelque chose qui peut être réalisé. It's the heart unifying. Where, what, mais c'est le cœur qui rassemble. Doce, made clear is that we're one consciousness. Ce que le docteur Doce a bien montré est que nous sommes une seule et même conscience. Séparés par nos égos. Donc, vous et moi, en parlant, pour qu'on puisse se parler, nous ne le faisons pas que mentalement. Nous le faisons en fusionnant nos consciences. Alors, quand je prononce des mots qui résonnent dans une compréhension chez vous et réciproquement, cela se produit uniquement parce que nous avons d'abord réuni nos esprits. Donc, ce phénomène est partout. Les gens sont séparés par la religion, par les technologies, par ce qu'ils pensent du futur. Nous sommes divisés par les médias qui essaient de faire de nous des victimes qui haïssent quelqu'un d'autre ou un autre groupe. Donc le processus d'unification est possible quand nous pouvons fusionner nos esprits autour du cœur et autour de la conscience. Car si le cœur n'est pas ouvert, il n'y a pas de conscience. Il n'y a que de la théorie. And that's a lesson that people, cultures, et c'est une leçon pour les cultures comme les nôtres à cause d'un échec de la science educated that we live in a material qui nous affirme world, que nous vivons dans un monde matériel in which nothing is meaningful, dans lequel rien n'a de sens, il n'y a pas de connexion spirituelle, il n'y a pas eu de processus créateur, il n'y a pas d'intelligence intuitive. Ils ne croient à rien de cela. La science s'est arrêtée quand elle a donné un nom à toute chose. Et ensuite, les contrôleurs veulent nous faire croire que nous devons nous brancher au réseau pour aller plus loin dans l'évolution humaine. Donc ça doit être avec nos cœurs ouverts, bien ouverts, rejetés. Et c'est cela qui émerge maintenant. Beaucoup de conscience, cette compréhension que la conscience, la connexion spirituelle est la seule alternative à ce sombre matérialisme. Tout le monde doit être branché à un ordinateur, comme le Borg.
Vous vous souvenez dans Star Trek. La face sombre doit révéler ce qu'elle fait vraiment pour se convaincre elle-même que les gens sont d'accord. Donc elle le fait à travers des films, etc. Oui, et l'un des rôles de la face sombre est parfois d'éveiller la face lumineuse qui est en train de dormir. Ah, alors c'est ça leur but. Je pense que ce que nous voyons, c'est une poussée de la face sombre, et vous l'avez très bien décrite. Et c'est aussi pour que la face lumineuse s'unisse, s'élève, et pour que nous le fassions sérieusement, parce qu'il y a une vraie menace. Et dans l'évolution, parfois, il faut être poussé en arrière pour avancer, pour évoluer. Car on n'évolue pas si on reste dans le confort. Donc nous sommes dans ce moment qui représente un appel pour la liberté, et aussi un appel pour savoir quel est notre projet. Oui. Et en résumé, c'est aussi mon message actuel. Okay.